Lorsque l'on pense au phénomène de la colonisation, ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est l'exploitation des populations soumises, des populations qui vont donc être dominées. Et il en a bien raison. Toutefois, il y a un phénomène que l'on doit avoir bien en tête, c'est aussi celui du lavage de cerveau. En l'occurrence, lorsque des conquérants arrivent quelque part, ils ont souvent l'intention d'imposer leur idéologie, c'est-à-dire leur manière de penser, pour permettre, pour faciliter justement ce rapport de dominant à dominé, pour faciliter l'exploitation. C'est ce qui s'est passé avec les Espagnols à partir du début du XVIe siècle, lorsqu'ils vont conquérir l'Empire des Aztèques et lorsqu'ils vont conquérir l'Empire des Incas. Quand je dis lavage de cerveau, entendons-nous bien, il n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser de laver le cerveau de populations entières. Il va donc y avoir l'imposition d'une nouvelle religion, le christianisme, mais il y aura toutefois, mais de manière variable suivant les régions, des résistances. Résistances conscientes ou résistances inconscientes. Lorsque les Espagnols conquièrent d'abord l'Empire des Aztèques entre 1519 et 1522, puis 10 ans plus tard, l'Empire des Incas, ils vont véritablement, dans la mesure où ils conquièrent ces territoires avec des troupes extrêmement peu nombreuses, quelques centaines d'hommes, autant de chevaux, des pièces d'artillerie qui ont sidéré véritablement les populations locales, ils vont, comment dirais-je, provoquer un choc culturel provenant d'une société qui, technologiquement, est supérieure et qui va permettre la conquête des territoires. Mais cette conquête rapide va être attribuée, pas seulement à la technologie, mais va être attribuée à la faiblesse de leur propre dieu, puisqu'il s'agissait de peuple polythéiste, face à un dieu tout-puissant, celui de la religion chrétienne. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une telle victoire sur des peuples aussi nombreux et pu se faire sans qu'il y ait une force spirituelle extrêmement forte derrière ces militaires. Donc le choc n'a pas été seulement technologique, il a été peut-être et d'abord psychique, psychologique. Les Espagnols, quand ils arrivent, vont être suivis très rapidement par des missionnaires qui ont pour objectif d'évangéliser ces populations païennes. La question sera d'ailleurs de savoir si les Indiens avaient une âme. Il y a eu une controverse célèbre à Valladolid à ce sujet-là. Le plan que je vais aborder dans ce cours sur la christianisation des colonies espagnoles
première partie qui sera plus chronologique, ce sera l'évangélisation dans le temps. On va voir qu'il y a deux parties, deux phases qui se dégagent. L'une, en gros, qui couvre une cinquantaine d'années, entre plus ou moins 1520 et plus ou moins 1570. Et alors, une deuxième phase qui débute à partir de 1570. Et puis, dans une deuxième partie, je vais aborder la colonisation et surtout la christianisation sous un autre angle, qui est l'angle géographique. Parce qu'effectivement, les Espagnols conquièrent deux empires qui sont très éloignés l'un de l'autre et qui sont organisés sur d'autres bases. D'autant plus que le paysage est tout à fait différent, ce qui va conduire à une conquête de nature différente. Je veux parler ici d'un premier territoire qui va être organisé sous la forme d'une vice-royauté, la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, qui a pour cœur Mexico, l'ancienne capitale de l'Empire des Aztèques, et une deuxième vice-royauté qui cette fois-ci n'est plus... N'oubliez pas que le Mexique, c'est encore l'Amérique du Nord, hein, donc qui n'est plus axé sur le sud de l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, mais qui couvre en gros une bonne partie de l'Amérique du Sud, à l'étranger bien sûr, de ce qui va devenir plus tard le Brésil, colonie portugaise, à savoir la vice-royauté du Pérou. Donc deux vice-royautés au nord, la Nouvelle-Espagne, capitale Mexico, et au sud, la vice-royauté du Pérou. Le mot Pérou doit être entendu donc dans un sens large. Il n'y a pas encore, avant le 19e siècle, tous les pays que nous connaissons, depuis, je dirais, entre 1815 et 1825, en gros, et la capitale se trouve donc à Lima. C'est ça la capitale de la vice-royauté du Pérou, Lima. Et c'est dans ces deux capitales que vont se tenir d'ailleurs des conciles. Je rappelle ce que c'est un concile, c'est une réunion d'évêques, de théologiens, de hauts dignitaires de l'Église qui statuent sur l'organisation interne de l'institution, qui statuent également sur les croyances, sur les dogmes, sur les pratiques religieuses. Et les conciles sont donc souverains derrière le pape, bien entendu. Ils sont souverains, en tout cas, pour les régions qui dépendent de leur juridiction. Alors, je vais revenir maintenant plus en détail sur tout ce que je viens de dire dans cette longue introduction. Je commence tout d'abord par l'évangélisation dans le temps. Je vous ai dit qu'elle va se faire en deux phases. On va voir quelles vont être les modalités de cette évangélisation. Et je vais commencer par les acteurs. Les acteurs, ce sont bien entendu ceux qui sont visés, ceux qui sont destinés à être évangélisés, ce sont les populations indigènes, les populations locales. Et les évangélisateurs, vont avoir un rôle tout à fait essentiel, ce sont les ordres mendiants. Les ordres mendiants, ce sont les dominicains et surtout, dans cette région du monde, les franciscains.
déjà au XIIIe siècle, lorsqu'ils ont été créés, dans la première moitié du XIIIe siècle en Europe, avaient pour mission d'évangéliser non plus les campagnes, comme ça avait été le cas pour les bénédictins, les tunisiens et les cisterciens, surtout les cisterciens, mais d'évangéliser les villes. Les ordres mendiants avaient pour caractéristique, comme l'évitait le désigne, de vivre de peu et de se séparer de toute forme de richesse. Donc ce sont, on pourrait dire, de véritables militants que ces ordres mendiants, dominicains et surtout franciscains. Donc, entre 1520 et la tronche de 1570, il va y avoir une première phase de christianisation qui est simultanée avec l'hispanisation. C'est quoi l'hispanisation? Eh bien, en fait, c'est l'imposition d'une culture, la culture péninsulaire, donc la culture de la péninsule ibérique, donc des Espagnols, qui s'accompagne de l'imposition d'institutions qui sont là pour encadrer la population et surtout pour permettre à la couronne d'Espagne, de profiter des richesses des territoires conquis, avec l'intermédiaire d'un certain nombre de groupes, l'Église tout d'abord, mais aussi les grands propriétaires terriens, enfin les conquistadors qui sont 500, je dirais, dans Nouvelle-Espagne et 1000 pour l'Amérique du Sud, le Pérou, ceux qu'on appelle les encomenderos. Donc je vous les paye parce que j'ai oublié d'écrire au tableau. Encomenderos, c'est E-N-C-O-M-E-N-D-E-R-O-S. Qui, en échange de leur protection et de leur aide à l'évangélisation, en tout cas, ce sont les propriétaires terriens, peuvent percevoir des corvées et des taxes sur les Indiens, les Amérindiens, hein, parce que nous sommes dans les Indes occidentales. Je ne comprends rien, vous avez appris ça en secondaire, que Christophe Colomb était persuadé d'être arrivé aux Indes. Dans un premier temps, on peut dire qu'il s'agit d'une acculturation qui est relativement douce. Il va y avoir, par les indigènes et sous l'action de ces ordres mendiants, une assimilation des croyances du christianisme dans un certain nombre de pratiques. Mais dans cette période d'un demi-siècle, entre 1520 et 1570, il va y avoir un maintien d'un certain nombre de rites et de chants indigènes. Autrement dit, on va assister à la naissance d'une religion chrétienne, certes, domine vraiment les croyances chrétiennes, mais qui sera matinée, et c'est ce qui va permettre son introduction relativement aisée, donc de pratiques indigènes, de telle manière que le choc ne soit pas trop brutal. Ce qui s'est passé surtout, c'est que les indigènes n'auraient pas pu, d'ailleurs, assimiler de manière comme ça, global, l'ensemble de la religion chrétienne. Ça, c'est donc pour la première partie. Toutefois,
dans les années 1550, donc au milieu du siècle. En 1551 à Lima et en 1555 à Mexico, la Nouvelle-Espagne, se tiennent des conciles, je le rappelle, ce sont des réunions d'évêques, qui vont statuer sur ce qu'il faut, sur ce qui est indispensable de faire passer. Alors, par définition, les conciles ne sont pas très tolérants, puisqu'il s'agit d'institutions qui sont là pour fixer le dogme, pour fixer ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Donc, ce sont des institutions qui sont destinées à formater, à unifier les croyances et les rites. Toutefois, dans ces années 1550, on est encore à une phase où les choses sont supportables, si je vais dire, pour la population locale. La transition va se faire lors des conciles suivants, dans les années 1560. Là, c'est Mexico qui débute l'offensive, qui radicalise un peu plus les positions officielles de l'Église catholique. N'oubliez pas que l'Église catholique joue un rôle tout à fait majeur à cette époque-là dans l'hispanisation des populations conquises. L'Église est le partenaire obligé du pouvoir monarchique. Donc, premier concile à Mexico en 1565 et autre concile 2 ans plus tard à Lima. Maintenant, nous passons à la deuxième phase où là, on va pouvoir parler vraiment d'une évangélisation à marche forcée et d'une hispanisation qui va devenir la règle. Donc vous voyez, entre le moment où Christophe Colomb découvre les Amériques, donc les Indes occidentales en 1492, et le moment où l'hispanisation va vraiment pouvoir se faire, il faut attendre près de 80 ans. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui explique la lenteur de ce processus, c'est qu'il y a un rapport de force sur le plan démographique qui est tel que ça n'aurait pas pu se passer autrement. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai rappelé que les conquistadors sont au nombre, je vous ai dit, dans les années 1520-1530, 1500. Face à une population, tenez-vous bien, il y a des calculs, des estimations qui ont pu donc être réalisées. En 1500, en Amérique, il y aurait eu entre 50 et 70 millions d'habitants face aux 1500 conquistadors. Donc vous imaginez, ils ont beau être les plus forts d'un point de vue technologique, il se fait que numériquement, pour encadrer une population, ils ne représentent pas grand-chose, mais les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Et ça, c'est un élément important qui permet de comprendre pourquoi, à partir de 1570, les données ne sont plus tout à fait les mêmes. Tout d'abord parce que l'immigration des Espagnols en Amérique va devenir de plus en plus nombreuse, même si elle reste très limitée. Mais c'est surtout que de l'autre côté, du côté des indigènes, du côté des Indiens, là, il va y avoir une chute démographique vertigineuse. Tenez-vous bien. Il va y avoir une chute en un siècle qui va faire qu'on va passer d'un rapport de 10 à 1 du côté des indigènes. On va passer à une population, je vous ai dit, évaluée entre
50 et 60 millions d'habitants pour l'ensemble des Amériques à une population de 6 ou 7 millions. C'est-à-dire, comment est-ce possible qu'en un siècle, il y ait eu une telle chute démographique? Eh bien, plusieurs explications ont été avancées, mais c'est évidemment pas le massacre. Il faudrait imaginer, on ne peut pas massacrer des millions, des dizaines de milliers de gens comme ça. Un élément tout à fait majeur, ce sont les épidémies. Les Amérindiens ont été en contact avec des maladies dont leur corps n'était pas prémuni quand les Espagnols sont arrivés et qui les a décimés. Alors il y a la grippe, il y a la syphilis, il y a toute une série de maladies qui, pour lesquelles leur corps n'était pas préparé, parce que vous savez tous, nous avons des anticorps mais qui se forment sur des milliers d'années. Il y a l'hérédité qui permet de transmettre des défenses immunitaires, et les indigènes ne sont pas préparés à cela. Et donc, vous voyez, ce sont les épidémies qui ont été les plus grands, vecteurs de destruction, et donc ce ne sont pas les Espagnols en tant que tels, c'est ce qu'ils portent en eux qui a tué les Indiens. Et un grand historien français a parlé à ce sujet-là d'unification microbienne du monde. Vous voyez, on parle de mondialisation, mais la mondialisation a d'abord été une mondialisation microbe au XVIe siècle. C'est le moment où d'ailleurs se produit la première mondialisation, je dirais, des échanges sur le plan économique, à partir du moment où on va découvrir et l'on va conquérir des terres en Amérique. Mais il ne faut pas oublier également que des comptoirs ont été installés le long des côtes de l'Afrique, qu'il va y avoir des contacts avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec la Chine, voire au Japon. Au XVIe siècle, il y a donc parallèlement avec cette mondialisation économique, il va y avoir aussi une mondialisation microbienne. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que chaque année, la grippe apparaît, le virus, les souches du virus de la grippe apparaît en Asie orientale, et que ça permet, le temps qu'elle soit véhiculée, ça permet au laboratoire, chaque année, de créer donc des vaccins qui permettent de nous prémunir. Puisqu'elle arrive chez nous, en gros, peut-être dans la deuxième moitié du mois d'octobre, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est parce qu'entre-temps, elle est apparue donc en Asie orientale, et que dans les laboratoires occidentaux, on a pu identifier les souches et donc préparer des vaccins. Donc vous voyez que lorsque vous vous faites vacciner, peut-être pas encore à votre âge, mais en tout cas c'est souhaitable en tant que futur enseignant, parce que vous allez être en contact avec des tas de gens. Moi, il y a plus de 20 ans que je me fais vacciner, pas pour une question d'âge, parce que j'ai des questions, c'est la palisse, ça fait des plus jeunes que maintenant quand j'ai commencé, et c'est mon médecin m'a dit que je faisais partie des populations en tant qu'enseignant, comme les médecins, comme les infirmiers, etc., qui rencontrent beaucoup de gens, et que donc moi-même, j'étais un vecteur de transmission de la grippe. Ceci dit, je le fais aussi égoïstement pour me prémunir. Mais mon médecin m'avait dit que j'étais un vecteur. Voilà. Mais donc, comme futur enseignant, on vous conseillera certainement de vous vacciner, donc à la fois pour vous-même, mais parce que vous allez rencontrer des masses d'élèves dans vos classes. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, je reprends ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, modification du contexte démographique, modification du contexte politique aussi, parce que c'est dans les années 1570 en Espagne que vont venir des décisions de type bureaucratique. C'est le règne de Philippe II, le fils de Charles Quint, qui n'est pas un bureaucrate, qui est, je dirais, celui qui a mis au point la centralisation castillane
et qui a mis au point la monarchie absolue de droit divin dans ses répercussions administratives. Et c'est dans les années 1570, donc, que se mettent en place toute une série d'institutions, y compris sur le plan local, dans les colonies espagnoles d'Amérique, en particulier les cabildos, c'est pas Cabildo dont je vous le dis aussi, C-A-B-I-L-D-O-S, c'est-à-dire les conseils municipaux, qui sont institution qui est vraiment transférée telle quelle de la péninsule ibérique vers les Amériques, qui participe du dispositif étatique de contrôle des populations et surtout de moyens d'exploiter les populations, puisque bien entendu le produit des corvées et des taxes arrive en partie, du moins, à Madrid. Alors, maintenant, je vous ai dit que c'est à ce moment-là qu'est, comment dirais-je, qu'apparaît une véritable rupture, une rupture vraiment nette avec le passé. L'objectif à la fois des autorités civiles, mais des autorités religieuses, est de contrôler les populations, c'est ce que dit n'importe quel État, jusque à ces romans de science-fiction comme celui de Orwell, un célèbre roman que vous connaissez, en tout cas au moins tous les anglicistes ici, de 1949 à 1984. Un État cherche à contrôler ses citoyens, ses sujets à l'époque, parce que ce ne sont pas des citoyens, mais à notre époque ce sont des citoyens, et il utilise, il instrumentalise, mais parfois il s'agit d'un partenariat tout à fait assumé, les médias, les institutions qui permettent de médiatiser le message politique qui est celui de l'État. À l'époque moderne, c'est-à-dire à l'époque des temps modernes, notre époque c'est l'Église. L'Église permet dans tous les villages de diffuser l'idéologie monarchique, l'idéologie étatique. Ce sont les prêtres qui, dans leurs sermons dominicaux, expliquent aux fidèles qu'ils doivent être obéissants par rapport à leur seigneur, à ceux qui les exploitent directement, les grands propriétaires terriens, qu'il ne s'agit pas de se révolter. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens qui sont utilisés par l'État. En arrivant ici en voiture, j'entendais une blague concernant Google. Mais on sait très bien que toutes les données que vous transmettez inconsciemment en tapant des messages sont centralisés et permettent à Google, à des fins publicitaires, entendons-nous bien, hein, mais en rassemblant toutes ces données, de tracer un profil de vous-même, à la fois sur ce que vous consommez, non seulement pour vous nourrir, pour vos vacances, pour le type d'habitat qui vous intéresse, on peut vous décrire sociologiquement, établir vos réseaux d'amis, de connaissances, on peut rassembler vos données bancaires, on peut savoir si oui ou non vous avez un certain nombre de maladies, parce que lorsque vous faites une transaction chez un pharmacien, vous laissez des traces, et donc on peut savoir ce que vous consommez, donc on peut tout savoir de vous. Et donc, il n'est en secret pour personne qu'il y a des gens de Google et la NSA aux États-Unis, les trois, qui permettent donc à la NSA de savoir tout sur vous. Hein. Alors faites toujours attention à ce que vous mettez sur Google, parce que ça peut un
un jour se retourner contre vous. Google s'en sert essentiellement, bien entendu, parce que ce sont les ressources de Google. Hein, parce que quand vous utilisez Google, c'est gratuit, selon vous. Mais il y a quand même une récupération par Google de toutes les données que vous mettez, dans la mesure où vous allez avoir des tas de publicités ciblées en fonction de votre profil. Et ce sont ces publicités qui permettent à Google de s'enrichir. Ben, je ne vous apprends rien ici. C'est simplement pour vous faire un parallèle donc, entre le XVIe siècle et aujourd'hui. Donc, au XVIe siècle, l'Église diffuse le message de l'idéologie dominante, c'est-à-dire soumission à un système d'oppression. Mais tenez-vous bien, l'Église va plus loin. Comment ? Quel est l'équivalent de Google à cette époque-là ? Aujourd'hui, lorsque vous mettez des informations sur Google, vous le faites la plupart du temps inconsciemment, en échangeant des messages, pas seulement en échangeant des messages, en ayant, comment dirais-je, en recherchant des informations, en donnant des ordres de paiement à vos banques, etc. Seulement ça, vous connaissez les multiples applications de Google, mais l'Église a une fonction qui est un petit peu celle de Google. Je vous ai dit, aujourd'hui, nous laissons des traces qui peuvent être exploitées, mais l'Église va se servir d'un autre moyen, la confession. La confession, c'est un petit peu le Google de l'époque, hein. C'est le prêtre qui va entendre tous vos péchés. Il va tout savoir sur votre vie, ce qui se passe dans votre vie privée. Il va savoir ce qui se passe avec votre partenaire dans la vie, puisqu'on ne peut pas, évidemment pas avoir de concubin ou de concubine. Mais là, vous devrez dire, hein, si vous avez une relation hors mariage, eh bien le prêtre, il saura tout. Le prêtre, c'est au fond quelqu'un qui est une super centrale de renseignement. Il sait tout sur tout le monde. Hein. Imaginez qu'il y ait quelqu'un comme ça dans notre société. À qui ben, il y a peut-être aussi des psychologues ou des psychanalystes, mais enfin bon, il se fait que tout le monde ne va pas chez un psychologue ou un psychanalyste, puis une déontologie professionnelle. Alors le prêtre, lui aussi, est lié au secret de la confession. Ok, mais lui diffuse comme une radio, comme une télévision, des tas de messages dans ses sermons, et parallèlement, il reçoit dans la confession. Vous pensez bien qu'il ne s'agit pas d'un échange, c'est toujours unilatéral. On n'est pas dans un système de donnant-donnant. C'est je prends l'information et je rediffuse dans l'autre sens le message de l'Église et le message de l'idéologie dominante qui défend un ordre politique et social déterminé. Donc, quels sont les moyens dont dispose l'Église ? Elle va tout d'abord publier des manuels pour les curés, pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils doivent dire pendant la messe, comment ils doivent confesser, comment ils doivent pratiquer la liturgie, les rites, ce qu'ils doivent dire dans leur sermon, etc., etc. Donc, on peut dire que ces manuels ont une fonction essentiellement d'unification pour qu'il n'y ait pas une seule tête qui dépasse. C'est pour éviter les hérésies parmi les curés, parce qu'il y avait eu, pendant le Moyen-Âge, de nombreuses hérésies. Quelle est la nouveauté qui se produit dans le paysage médiatique au XVIe siècle, et c'est l'imprimerie. Vous imaginez quelle révolution, c'est une révolution aussi importante que l'Internet depuis le début des années 1980. Avant, il fallait recopier à la main tous les manuscrits. Ça prenait un temps fou. À partir du moment où on va pouvoir publier, souvenez-vous ce que je vous ai dit dans mon cours précédent, sur la diffusion du luthéranisme. Vous vous souvenez ? Donc ça permettait une diffusion. Hein.
Et ça explique, bien entendu, le succès de Luther dans la première moitié du XVIe siècle. Bien, les catholiques, ils font la même chose que les protestants. Donc ça permet à tous les curés, quel que soit leur endroit, d'avoir le même texte devant les yeux, c'est-à-dire une procédure donnée. La prêtrise sera inaccessible aux indigènes jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Donc vous voyez qu'il s'agit bien d'une situation de domination des blancs sur les hommes de couleur. Ici, quand je dis les hommes de couleur, je ne parle pas seulement des Indiens, mais je parle également des Noirs qui vont arriver de plus en plus nombreux aux Amériques dans le cadre de la traite des esclaves. On a compté qu'il y aurait eu près de 20 millions d'esclaves noirs en Amérique, donc qui auraient été déportés véritablement des côtes d'Afrique équatoriale vers l'Amérique du Sud et vers les Antilles et le sud de ce qui viendra un jour les États-Unis. Donc ils sont aussi sujet ou plutôt objet de l'évangélisation par les missionnaires. Et alors, je vous ai parlé de la confession, mais il n'y a pas que la confession, il y a aussi la communion. La communion qui est un acte très important. Pourquoi ? Parce que la communion, c'est le moment où les fidèles sont, au sens physique du terme, investi par le Christ, la chair et le sang du Christ qui se transforment au moment de l'Eucharistie, ce qui apparaît à juste titre comme un acte magique pour les Indiens, pas seulement pour eux, hein, les Européens à l'époque c'était la même chose. La communion sont deux actes tout à fait essentiels. Il s'agit de culpabiliser les Indiens, parce que c'est ça au fond. Quand vous allez à la confesse, vous confessez quoi ? Vous confessez des péchés. En Amérique, le péché lui-même est personnalisé, c'est-à-dire qu'il y a des reproductions du péché comme s'il s'agissait d'un personnage. Dire qu'il s'agit de micro-organismes, enfin, on le traduirait dans notre... Sauf que ce ne sont pas des micro-organismes, là, c'est vraiment quelqu'un qui a une tête, qui a un corps, et tout ça, c'est le péché qui est présenté, en tout cas, dans les églises. Mais donc, nous, on dirait, voilà, d'ailleurs, beaucoup d'enfants, quand on leur parle du péché, ils se demandent, qu'est-ce que c'est que le péché ? Qu'est-ce que c'est que l'âme aussi, hein ? Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, hein, quand on m'a dit que j'avais une âme, je me suis posé la question de savoir où elle était localisée dans mon corps. Hein, j'imaginais une sorte blanc, je me disais, mais ça se trouve à l'endroit du cœur, ça se trouve au niveau des poumons, est-ce que ça se trouve à l'endroit du cerveau ? Je posais la question de la localisation. Et quand on m'a dit, lorsque j'ai fait ma première communion, que mon âme était redevenue blanche, imaginez, hein, comme une colombe, Paloma, et bien donc, en fait, vous imaginez pour un petit enfant qui imagine au sens propre, j'ai dû vivre ce que beaucoup de chrétiens ont dû vivre dans leur propre existence, y compris donc les populations indigènes. On est lavé, on est épuré. Mais pour pouvoir communier, et donc pour avoir son âme qui soit blanche, il faut être pardonné. Donc on entre dans un système de culpabilisation. Pardon. Le pardon ne peut être accordé que par l'Église, que par un prêtre. Il y a donc le monopole de la déculpabilisation. Donc l'Église fonctionne sur base du péché et du pardon de ce couple inséparable. Il est bien précisé également lors des conciles
Mexico et à Lima dans les années... Oui, il y a une question ? Tu peux me la poser, hein ? Comment ? Non, c'est bon. D'accord, c'est très bien. Donc, les conciles qui ont lieu dans les années 1580 à Lima et à Mexico, on a bien précisé à ce moment-là que l'être humain dispose du libre arbitre par opposition à, je dirais, au protestantisme, où là on parle du ser arbitre, je pense à Luther, ou de la prédestination chez Calvin. Donc si on commet un péché, on en est bien responsable. Je passe maintenant l'évangélisation dans l'espace. Je vais essayer de raccourcir, malheureusement, il faut que j'agisse beaucoup. Hein. Alors, je vous ai dit qu'il y a deux zones, la Nouvelle-Espagne et le Pérou. En Nouvelle-Espagne, l'Église a eu le bon goût de pratiquer l'alternance entre d'une part les créoles, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les colonies d'Amérique, et d'autre part les Espagnols qui viennent directement, donc la première génération, de la péninsule ibérique, pour occuper les postes d'évêques. Donc ça, c'était une idée positive qui a permis au christianisme d'avancer. Quels sont les caractères de la christianisation en Nouvelle-Espagne? Tout d'abord, il y a eu le ralliement des élites indigènes. Ils ont joué un rôle de transmission, ils ont joué le rôle de courroie de transmission indispensable auprès des populations locales. Ils se sont rangés du côté des dominants. Et c'est ainsi que ces chefs indigènes sont des quoi ? Vous pourriez raisonner en termes de domination. Ils sont des dominés parmi les dominants, et ils sont des dominants parmi les dominés. Donc ils jouent un rôle d'interface ici, tout à fait important. Ce ralliement va se faire progressivement jusqu'en 1650. Il n'y aura plus d'opposition entre d'une part l'Église et les Indiens, et on va assister donc à la formation de cette religion hybride et de grandes dévotions communes, en particulier à la Vierge, la célèbre Vierge de Guadalupe, dont le nom est écrit au tableau aussi, à droite, donc à gauche, où il y a toujours des pèlerinages à l'heure actuelle, hein, il y a des gens qui font des kilomètres sur les genoux pour arriver à Mexico. Qui arrivent leurs genoux complètement en sang. Alors, il y a des rites comme ça. Vous savez, aux Philippines, là, ça va encore plus loin. Là, aux Philippines, ils se font crucifier. Il y a des gens qui se font crucifier pour revivre ce que Jésus a vécu. Donc, vraiment, quand on plante des clous dans leurs mains, ils peuvent le revivre. Bon, on les détache après un certain temps, bien entendu. Et donc, ça peut aller très loin, cette forme de mysticisme. D'adhésion à une religion. Il y a une caractéristique de la Nouvelle-Espagne, outre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport aux ordres mendiants, c'est l'existence de réseaux locaux. Réseaux locaux qui posent problème pour l'Église officielle. Donc l'Église officielle, elle doit se battre contre le clergé régulier. Quand je dis régulier ici, je veux dire le clergé qui possède une règle, hein, ce sont les fameux ordres mendiants, et qui ont tissé un réseau très dense de relations donc, entre les différentes maisons conventuelles à travers le Mexique. Et les évêques, alors là il s'agit du clergé séculier, du clergé du monde littéralement, tient à renier les privilèges que se sont au cours du temps octroyés ces ordres réguliers. Donc il s'agit des dominicains, des français.
passe maintenant à côté de la Nouvelle-Espagne, maintenant au Pérou. Le Pérou. Alors, tout d'abord dans le temps et dans l'espace. Le Pérou a été conquis plus tard, une dizaine d'années plus tard, mais il y a dans l'évangélisation un retard de plus ou moins 25 ans. Il faut savoir que la conquête du Pérou a été beaucoup plus difficile, parce que l'on est dans les Andes, on est dans des régions montagneuses, on n'est pas, à part les Sierras du Mexique central, on n'est pas sur un plateau comme en Nouvelle-Espagne. Donc la conquête a été très difficile, les villages sont souvent très éloignés les uns des autres. Donc l'évangélisation va connaître des résistances plus importantes, parce qu'il est difficile d'accéder à certains villages, et puis les croyances vont être plus difficiles à expliquer. Démographiquement, les Espagnols sont aussi beaucoup moins nombreux. Quand on compare les chiffres qu'en Nouvelle-Espagne par rapport aux indigènes. Donc le maillage, si vous voulez, est plus large. Les croyances par conséquent des indigènes vont rester beaucoup plus ancrées, mais les élites indigènes vont jouer un rôle quand même qui n'est pas négligeable. C'est ainsi que ceux-ci vont récupérer, ou plutôt adhérer à certains cultes, par exemple Saint Thomas ou Saint Barthélemy, qui, d'après la légende, il s'agit d'un mythe bien sûr, auraient accosté en Amérique du Sud, en Amérique tout simplement, aux Indes occidentales, aux origines du christianisme, et auraient ainsi, dès cette époque-là, préparé le terrain à l'évangélisation du XVIe siècle. Et d'ailleurs, certains saints, certaines divinités locales vont être associées, identifiées à certains de ces saints. Je pense en particulier à ce dieu que l'on trouve dans l'ex-empire Inca, donc au Pérou, qui est Viracocha. Son nom est indiqué ici. Viracocha, qui va être identifié à Saint Bartholomé, un apôtre, qui avait été en contact direct avec Jésus. Donc vous voyez, c'est par le biais de nouveau, et j'ai eu l'occasion d'en parler déjà tout à l'heure, des élites locales que l'évangélisation va pouvoir se faire plus facilement. Ceci dit, les jésuites vont avoir là un rôle essentiel pour établir l'orthodoxie. L'orthodoxie du Concile de Trente. C'est ce grand concile qui a réuni des théologiens, qui a réuni des évêques, bien entendu, les dignitaires de l'Église catholique, entre 1545 et 1563, lors de sessions successives. Hein. Donc il n'y a pas eu un concile qui a duré comme ça pendant 18 ans d'affilée, mais où toute une série de mesures essentielles ont été prises pour les siècles suivants. Donc, c'est l'église de la contre-réforme, l'église que l'on appelle aussi tridentine, le mot tridentin vient du mot Trente, qui est une localité qui se trouve dans le nord de l'Italie, nord-est de l'Italie. Et donc, à partir de 1611, les jésuites vont lutter contre l'idolâtrie et vont parallèlement quand même réinvestir des anciens lieux de culte des ancêtres, ce que l'on appelle les huacas, c'est écrit ici, les huacas, ici c'est écrit ça, les huacas, les huacas, où les Indiens se rendaient régulièrement. C'est le cas en particulier du
du site dédié à la Vierge, donc il y aura un culte marial sur le lieu de Copacabana, au Pérou, je dis bien, ne pas confondre, je vous l'ai dit en caméra tout à l'heure, avec la célèbre plage de Rio, que l'on voit souvent à la télévision, et également au lac Titicaca, qui fait partie à l'époque de cette grande vice-royauté du Pérou. C'est un moyen que l'on a trouvé, que l'Église a utilisé souvent, vous savez, pensé dans l'Antiquité, le christianisme s'est établi, les églises ont souvent été établies, à l'endroit où se trouvaient des temples romains ou des temples de Mitra, etc. Si vous allez à Rome, vous pouvez aller dans une église qui s'appelle Santa Maria Sopra Minerva, c'est-à-dire Sainte Marie au-dessus du temple de Minerve. Si vous allez à San Clemente, sans faire de ma part, vous savez bien là, vous allez avoir une église qui se trouve au-dessus d'un ancien temple de Mitra, qui était un concurrent des cultes chrétiens, du Christ, en fait, pendant 3 siècles dans l'Empire romain. Voilà, donc conclusion de cette leçon, puisque je dois terminer ayant déjà dépassé quelques minutes mon cours. Conclusion de tout ceci, j'espère que vous aurez bien compris que la christianisation des colonies espagnoles d'Amérique participe d'un grand projet d'hispanisation visant à dominer les populations locales, très nombreuses, même si elles vont connaître une chute démographique vertigineuse dans le courant du XVIe siècle, et que pour dominer les gens, l'esclavage n'était pas le moyen le plus sûr. Il faut d'abord leur laver le cerveau. Dans notre société de consommation, nous nous croyons libres, mais en fait, nous sommes des esclaves d'un système économique. Simplement, nous y adhérons, croyons-nous, librement, alors que nous avons toute une série d'addictions. Nous achetons certains produits alors que nous n'en avons pas besoin, pour faire comme les autres, ou parce que nous avons en inventé des tas de publicités, et lorsqu'il y a un nouveau produit qui sort, je pense à votre téléphone portable ou autre chose, on vire les précédents, alors on pourrait toujours les utiliser. Mais simplement, on va avoir une capacité plus importante de communication. Même chose pour les voitures, même chose pour des tas d'autres choses, comme les vêtements, alors n'en parlons pas. La mode, c'est une oppression psychologique dont les gens n'ont peut-être pas toujours conscience. Hein, on achète des tas de choses dont on n'a pas besoin. Ça me paraît évident. Voilà. Je ne vous montrerai pas exceptionnellement de bouquins, tout d'abord parce qu'il n'est plus que largement l'heure, et ensuite parce que ce matin j'étais un peu fatigué, donc je n'ai pas porté, j'ai décidé de ne pas porter. Voilà. Ce qui me fait gagner quelques minutes. J'ai dit.